Bonjour, bienvenue à tous. Vous assistez à la conférence 12B, les nouveaux enjeux du métier de responsable RSE, de la mobilisation à la coopération. Cette conférence s'inscrit dans le parcours dédié aux responsables RSE. Vous savez que pour cette deuxième journée du World Forum, on se consacre à la transformation des métiers. Je m'appelle Camille Muller, je suis chef de projet RSE chez Réseau Alliance. Et moi, je suis Laurie Decouche, chef de projet RSE et économie de la fonctionnalité chez Réseau Alliance. La session à laquelle vous assistez va donc nous permettre d'échanger à la fois sur le métier de responsable RSE, mais aussi ses évolutions, sa place, son quotidien, son rôle au sein de l'entreprise. Dans la première partie de ce parcours, nous avons vu que depuis plusieurs années, la RSE se transforme, elle prend de l'ampleur, elle bouge au sein de l'organigramme, elle est de plus en plus incarnée dans une personne, dans un service qui agit de façon transversale, de façon à fédérer les collaborateurs et à infuser l'ensemble des décisions, des relations, des partenariats de l'entreprise, ce qui permet d'agir de façon efficace et durable. On a également vu qu'il n'y avait pas d'organisation parfaite, pas de façon de faire parfaite, mais qu'il y a bien sûr plusieurs chemins, plusieurs façons d'agir, et c'est ce qui est le plus important. Alors, dans cet atelier, on va être ensemble pendant 1h30 environ. Donc on est dans la continuité de l'atelier précédent. Donc on va voir avec nos invités la place de la RSE dans leur entreprise. Et on aimerait aussi aborder les sujets liés au travail et au métier du référent RSE. Comme on l'a vu, la place de la RSE a fortement évolué. Et donc ça fait évoluer également les métiers, les tâches au quotidien du référent RSE. Donc c'est ce qu'on va voir avec nos invités autour de trois grandes parties. Donc la première, c'est la place dans l'organisation interne de l'entreprise. Où se place la RSE, un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Quelle est la place de la RSE dans vos entreprises? L'évolution de votre métier au quotidien, quel est le rôle du responsable RSE et qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont ses tâches? À qui il parle? C'est quoi une journée type? C'est quoi un bon référent RSE? Toutes ces questions-là. Et une dernière partie sur les compétences. On va voir justement quels sont les grands enjeux du responsable RSE et du coup, quelles compétences il a besoin pour mener à bien ses missions autour de ces trois beaux sujets. Bienvenue à nos intervenants. Donc Audrey Miclard, tu es directrice RSE et qualité chez Kiloutou. Tu nous en diras un petit peu plus sur Kiloutou juste après. Denis Grivet, tu es responsable qualité du groupe Holder. Et Laurent Loger, responsable innovation et RSE de SIA Habitat. Bienvenue à tous les trois. N'hésitez pas à nous poser des questions tout au long de la conférence et on y répondra avec grand plaisir. Alors, on va commencer la première partie des échanges. On va revenir déjà sur vos entreprises. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre entreprise? Et un peu dans la continuité du premier atelier, quelle est la place de la RSE? Quelle place occupe la RSE dans votre entreprise aujourd'hui? On commence avec toi, Denis. Eh bien entendu. Bonjour à tous. Donc je suis directeur qualité au groupe Holder. Alors le groupe Holder, c'est une entreprise familiale qui puise ses racines, paraît-il, en 1889. Alors je n'étais pas là pour vous dire ce qui se passait en 1889. En revanche, ce que je sais, c'est que dans la période contemporaine, l'entreprise a été développée et créée par un monsieur qui s'appelle Francis Holder dans la région. Et aujourd'hui, elle se structure en trois activités. On est un industriel de la boulangerie-pâtisserie qui s'appelle Château Blanc. On est un réseau de boulangerie-pâtisserie, de quartiers, de centres commerciaux qui s'appelle Paul. Et on est également une pâtisserie salon de thé de luxe qui s'appelle La Durée, implantée dans un certain nombre de grandes villes dans le monde. Pour préciser un tout petit peu, en France, il y a 2400 collaborateurs salariés, mais on a une structure particulière parce qu'on a beaucoup de franchisés. Franchisés implantés en France, mais également franchisés implantés à l'international, puisqu'on a à peu près une cinquantaine de pays dans lesquels on est présent, soit par La Durée, soit par Paul, soit par les deux. Et ça crée, je dirais surtout en matière de RSE, une certaine complexité. Les deux, trois grands enjeux RSE du groupe Holder?
Oula, les deux, trois grands enjeux du groupe Holder. Alors, je pense que la place de la RSE dans le groupe a beaucoup changé au fur et à mesure, tout au moins dans les années que j'ai connues. Initialement, le sujet était porté par l'un des actionnaires, donc Maxime Holder, qui agissait au nom de Paul. Et j'en profite pour dire que je vais surtout parler au nom de Paul. D'abord parce que c'est la plus grande partie de l'entreprise. Et deuxièmement parce que c'est vraiment le terrain de jeu dans lequel je travaille au quotidien. Et historiquement, donc, ça a été Maxime Holder qui avait beaucoup porté ce message de la RSE dans l'entreprise au travers de sujets très sociétaux. Il avait créé une mission handicap, on avait signé la charte de la diversité, j'avais participé à la signature du programme national nutrition et santé. Et donc on était très centré sur des sujets sociétaux, et je parle de la fin des années 2000-2010 à peu près. Et puis c'est un sujet qui est resté un petit peu en friche pendant pas mal d'années, parce qu'on a connu plein d'autres enjeux de développement, d'implantation internationale, etc., etc. Et c'est un sujet qui est revenu sur le devant de la scène il y a peut-être à peu près 3 ans. Et là, on a commencé à rebalayer de façon à réinventorier tout ce qui s'apparente à des sujets RSE dans l'entreprise. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à structurer un petit peu plus à partir d'expériences qui ont été vécues par chacun. Donc il y avait un espèce de club de responsables qui s'intéressaient à la RSE. Il y avait des RH, il y avait des achats, il y avait de la qualité, il y avait de la maintenance, etc. Et c'est là qu'on a commencé à identifier un peu plus nos enjeux. Et aujourd'hui, on a structuré, alors je ne vais pas tous les citer, mais nos enjeux autour de 14 thématiques majeures qui s'assoient sur 4 piliers, hein, l'éthique, le sociétal, l'environnemental, et puis la santé et la sécurité, et qui sont 4 enjeux qui sont très liés, je dirais, à notre métier, qui est de nourrir les gens et de le faire de façon le plus responsable possible sur ces 4 piliers que je viens de citer. Merci Denis. Audrey, est-ce que tu peux présenter ton entreprise et puis les grands enjeux RSE de Kiloutou? Bonjour, donc Kiloutou est né il y a 40 ans dans le Nord et est une entreprise de location de matériel. Donc, comme son nom l'indique, ça va du petit outillage, de la petite perceuse jusqu'aux élévateurs de plusieurs dizaines de mètres, qui montent jusqu'à plusieurs dizaines de mètres, et aux gros engins de chantier. Aujourd'hui, ça représente 6000 équipiers dans 5 pays en Europe, 550 agences, et encore une activité principalement en France, puisque plus de 400 de nos agences sont encore sur le territoire français. Donc une volonté de continuer à être ancrée en France et à se développer à l'international, avec comme particularité un fonctionnement très B2B. Donc 95% de notre chiffre d'affaires se fait avec des professionnels, ce qui oriente beaucoup aussi notre RSE et notre politique RSE. Donc c'est vraiment important pour la suite. Concernant nos enjeux actuels, puisqu'effectivement, tout comme chez toi, ça évolue et heureusement, aujourd'hui, je dirais qu'il y en a 4. Le premier, ça serait certainement la diversité. Donc, on a des métiers très techniques ou autour du transport. Donc, il faut aussi attirer les talents féminins et les accueillir chez nous, tout comme des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est vraiment très important. On accueille très facilement des jeunes. Le but aussi, c'est de les faire progresser. Donc ils n'arrivent pas toujours très diplômés parce qu'on a beaucoup d'offres de postes qui sont accessibles sans énormément de diplômes. Mais le but, c'est effectivement la promotion interne qui compte beaucoup pour nous. Sans oublier la sécurité. Je pense que même si c'est même un prérequis pour la RSE, ça reste un point qu'il faut toujours avoir en vue. Donc ça, c'est le deuxième point. On a fortement accéléré sur les achats responsables. Donc peut-être qu'à la différence d'autres enseignes, par exemple textile, où c'était peut-être le point d'entrée, pour nous ça ne l'était pas, c'était pas un enjeu principal, mais c'est devenu un enjeu très important et sur lequel on consacre pas mal d'énergie depuis l'année dernière. Et le dernier qui s'accélère très très fortement, qui fait partie vraiment du projet de transformation de l'entreprise, c'est la partie environnementale. Donc on est loueur, donc on fait partie de l'économie circulaire, l'économie du partage, mais on veut aussi vraiment travailler sur notre trajectoire carbone pour répondre du coup effectivement à l'urgence climatique. Voilà pour nos enjeux. Merci beaucoup Audrey. Laurent, est-ce que tu peux nous parler de SIA Habitat ? Oui, SIA Habitat est une entreprise qui est bientôt centenaire puisque l'année prochaine, en 2021, on va fêter les 100 ans de SIA Habitat. Donc SIA, c'est une entreprise sociale de l'habitat.
Donc, nous intervenons dans le domaine du logement social. Donc, nous construisons et nous gérons un parc de 44 000 logements, principalement locatifs. On a une partie aussi accession avec la coopérative Esco Habitat. Donc, globalement, on intervient dans le domaine de l'immobilier. On est très présent dans l'ancien périmètre de la région des Hauts-de-France, qui est le Nord-Pas-de-Calais, puisque historiquement, notre bassin d'activité, c'était le bassin minier. Donc aujourd'hui, on a 3 directions territoriales, 13 unités territoriales qui se répartissent sur l'ensemble du territoire du Nord et du Pas-de-Calais. Et nous sommes très présents auprès de nos territoires. Donc on intervient fortement en proximité et nous ambitionnons désormais de dépasser notre condition de bailleur pour devenir finalement un acteur de cohésion sociale dans les territoires. Donc ça, c'est un petit peu la réorientation qu'on souhaite donner, notamment au travers de notre projet stratégique. Merci à tous les trois. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, pour reboucler avec ce qu'on a dit lors de l'atelier précédent, si dans votre entreprise, la RSE est placée à un échelon stratégique, si votre fonction, vous, est rattachée à la direction, et sinon de qui vous dépendez, et en quoi cela impacte votre métier au quotidien. Laurent ? Oui, alors je vais aussi rebondir sur les enjeux RSE pour SI Habitat. Nous, les grands enjeux, je vais simplement rappeler les 3 grands axes stratégiques de l'entreprise, puisque nous ambitionnons de s'engager visiblement dans une organisation avec l'habitant au cœur de tout. Et si on veut faire ça, moi je crois beaucoup à la symétrie des intentions, il faut aussi remettre le collaborateur au cœur de l'entreprise, ce qui suppose aussi de travailler sur la transformation culturelle de l'entreprise. Nous ambitionnons également d'être un acteur engagé et responsable sur nos territoires et de développer des volontés de partenariat. Et puis, le dernier point, c'est d'être une entreprise globalement performante. Et je pense que le terme, c'est vraiment globalement qui est important et qui montre bien qu'on veut intervenir à la fois sur les multiples aspects de notre activité, qu'ils soient environnementaux, sociaux, sociétaux. Donc, et bien évidemment, dans chacun de ces axes, on va retrouver la déclinaison RSE avec l'aspect social, l'aspect sociétal, mais aussi l'aspect environnemental. Alors sur le positionnement de la RSE chez SI Habitat, moi je suis rattaché au secrétariat général, donc au secrétaire général, qui lui-même fait partie du comité de direction générale. Je participe au comité de direction de l'entreprise et c'est un positionnement qui est assez récent, hein, qui date d'il y a quelques mois. Par le passé, la RSE a pas mal évolué au sein de l'entreprise. Historiquement, elle avait été portée par la direction du marketing et de la communication. Puisqu'il fallait démarrer l'activité. SIA était un des premiers bailleurs en France à travailler sur le référentiel RSE via, avec Vigeo. Donc il fallait définir les indicateurs et du coup la direction marketing était finalement assez naturelle dans le prémisse de ce travail. Ensuite, la RSE a été rattachée à la direction des ressources humaines, puis plus récemment à la direction du contrôle et de la qualité. Et aujourd'hui, le choix a été fait de créer finalement une cellule spécifique autour de l'innovation et de la RSE. Et en soi, c'est un acte fort, puisque en faisant ce choix-là, en fait, ce qui est clairement déterminé, c'est de faire de la RSE comme de l'innovation un lien direct et une mise en adéquation avec la stratégie de l'entreprise. Et de lier à la fois l'innovation et la RSE à la stratégie de l'entreprise et d'en faire une déclinaison de la stratégie. Et donc, c'est aussi de donner un axe fort, de placer au cœur de l'organisation à la fois l'innovation, mais aussi à la fois la RSE. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant. Merci beaucoup. Audrey ? Alors nous, on a un positionnement assez original puisqu'on dépend du réseau d'agences, de la direction du réseau d'agences. Alors c'est effectivement parce qu'on est né dans une deuxième étape de mise en place de la qualité. Donc on est venu enrichir le système qualité avec la RSE. Et ce positionnement, il est à la fois confortable puisque ça nous permet d'être très proche de là où sont nos impacts, c'est-à-dire dans nos agences, avec nos équipes. Mais ça nous demande aussi de l'agilité puisqu'on a des missions effectivement avec le groupe au niveau national et international pour pouvoir effectivement assurer une transversalité de la démarche. Donc effectivement, plutôt très terrain pour le moment. Et donc je pense que je prends la relève. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, mon parcours dans l'entreprise, moi, c'est un parcours qualité. Mais donc, je suis arrivé il y a maintenant 20 ans dans le groupe Holder. Et
Et en fait, chacun est un peu entrepreneur de son job chez nous. On est une entreprise familiale dans laquelle il y a beaucoup moins de structuration, de discours stratégique peut-être que ce que j'ai pu entendre, notamment chez Sia Habitat. Et du coup, c'est vraiment des convictions qui font que chacun se positionne et élargit petit à petit son périmètre. Et moi, ça a été mon parcours sur la partie RSE. Je suis parti de cette conviction. J'ai réuni des gens qui sont animés des mêmes convictions sur ce sujet de la RSE. Et on a été porter ce message auprès du président de Paul, qui l'a parfaitement reçu. Et grâce à une restructuration de l'instance managériale de Paul, j'ai pu maintenant être attaché directement à lui. Et je fais partie d'une instance qui s'appelle le COMEX de Paul, dans lequel sont présents tous mes collègues, DRH, des achats, de l'exploitation, France, international, marketing. Et donc ça, ça a été un point très important, parce que ça nous a permis vraiment de sortir de l'ombre, de sortir, je dirais, de la bonne volonté des gens qui, petit à petit, animent des sujets RSE dans l'entreprise, et réellement d'être adossés directement je dirais, au président de la marque, et de pouvoir dialoguer avec mes alter ego d'une façon complètement transparente sur ces sujets. Merci à tous les trois. Moi, j'ai une petite question. Enfin, justement, le maître mot de cette matinée, c'est l'évolution de la RSE dans les entreprises, justement. Là, on voit bien que ça a évolué dans l'organisation. On voit bien qu'il y a, voilà, depuis la mise en place de ces sujets-là, ça a changé de service, de référent, etc. Est-ce que vous sentez une évolution du point de vue de l'implication des collaborateurs sur ce sujet ? Et aussi des parties prenantes externes. Est-ce que c'est la place de la RSE dans la stratégie est de plus en plus importante ou pas, ou est-ce que ça a stagné du point de vue notamment des parties prenantes externes? Et les collaborateurs, comment vous les sentez sur ce sujet-là? Voilà. Audrey, tu veux commencer? Oui, je veux bien. Alors, tu as raison, la partie RSE, pour moi, elle a de sens que quand on consulte nos parties prenantes internes et externes et quand on... une sorte de communion, en fait, ensemble, c'est ce qui va nous permettre de déterminer nos enjeux et de s'assurer qu'on a les bons enjeux et qu'on va travailler sur les bons sujets. Donc, en termes d'évolution de cette sensibilité ou de cette implication, je dirais que ça a évolué. Alors, je vais commencer par l'externe, assez fortement, et moi, je vais parler de l'actionnaire, donc on n'est pas un groupe familial, on a changé même d'actionnaire à plusieurs reprises durant ces 10 dernières années, et on sent une vraie accélération des échanges sur ces thèmes-là, les thèmes extra-financiers, de façon... très riche et vraiment pour la mobilisation et pour aller dans le même sens. Donc je pense qu'effectivement on a des attentes de nos actionnaires. Alors pour moi c'est plutôt un facteur d'accélération, donc c'est très bien que nos actionnaires attendent des choses de nous sur ce sujet. Donc ça c'est à prendre en compte. Comme je disais tout à l'heure, on est en B2B et effectivement, moi je dirais depuis quand même une quinzaine d'années, on a une vraie demande de nos clients autour de ça. Donc nous, on est évalués très, très régulièrement au travers soit de plateformes externes, soit au travers de questionnaires. Donc, que ce soit des grands groupes ou des clients de taille plus petite, plus modeste, on est évalués très régulièrement sur la RSE. Et avec un des grands groupes, avec notre client numéro un, le premier tour des négociations, il se fait que sur la RSE. Donc on passe entre autres par une plateforme, je vais en citer une parce que c'est peut-être la plus connue, EcoVadis. Effectivement, ils viennent nous demander des choses, on répond, on donne des preuves, ils vérifient ces preuves et on est noté. Et si notre note n'est pas assez bonne, il y a des risques qu'on ne passe pas le deuxième tour ou alors qu'on nous demande effectivement un plan d'action assez important. Donc oui, ça s'accélère et les sujets évoluent aussi. Et là, de plus en plus effectivement de questions sur l'environnement par exemple, plus précises. Donc tous les thèmes sont toujours abordés, mais effectivement des questions peut-être un peu plus précises sur nos actions en termes au terme de l'environnement et des achats responsables, par exemple. Ensuite, en interne, oui, ça a évolué. Alors, c'est soit les nouvelles générations, donc ça, c'est très intéressant d'être challengé, parce que là, pour le coup, ils nous challengent assez vite. Mais aussi, je pense que en interne, je pense que nos collaborateurs, ils osent aussi... plus s'exprimer ou faire entrer, alors que ça soit à tous les niveaux, leurs propres convictions dans le cadre de l'entreprise. Et je dirais que alors c'est peut-être parce qu'on a déployé plus de choses, et je pense qu'il y a aussi le contexte, les sujets qui sont abordés sur la place publique, qui font qu'effectivement on ose plus parler de ces sujets au sein de l'entreprise, alors qu'avant il y a peut-être un petit clivage.
Et ça, on le voit à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la direction, où effectivement, les convictions, on ose aborder les sujets, nous challenger, et aussi, effectivement, au niveau des collaborateurs en agence qui nous parlent de plein de choses et qui rendent concrets aussi les actions. Donc oui, ça bouge beaucoup. Merci beaucoup. Laurent, Denis, Laurent, vas-y. Alors, pour SI Habitat, en fait, globalement, nous, on est au service de l'intérêt général. Et donc, notre activité, par définition, est RSE. C'est dans l'ADN de l'entreprise. C'est dans l'ADN de l'entreprise, effectivement. Et je pense qu'avant même qu'on se structure sur le sujet, on en faisait un petit peu sans le savoir, finalement. Et par conséquent, donc, il y a de longues dates, les actions sont globalement RSE. Néanmoins, j'ai bien aimé l'expression tout à l'heure qui a été utilisée par Lionel Fourier, le cadre n'est pas le tableau, et donc il faut aussi qu'on soit vigilant sur la mobilisation. Et c'est pour ça qu'on avait notamment, lors de notre dernière cérémonie des vœux, on avait créé les trophées de la RSE, justement pour remobiliser un petit peu en interne, parce que comme notre quotidien est axé sur la RSE, parfois on perd un peu de vue la philosophie première, et on est plus dans l'action et dans l'immédiateté. Et par conséquent, on avait souhaité aussi remettre en lumière ce qui peut être fait au quotidien, par les acteurs du quotidien, dans l'entreprise, pour montrer que, effectivement, il y a les actions métiers qui sont mises au jour le jour, mais il peut y avoir aussi des projets qui remontent et qui peuvent être portés individuellement, voire collectivement. Et donc, c'est ça qu'on avait souhaité mettre en lumière, et ça a plutôt bien fonctionné. On a eu quelques projets qui sont remontés et qui ont été primés du coup lors de la cérémonie des vœux. Donc ça a aussi donné à voir à l'ensemble de l'entreprise qu'on continuait sur la RSE et que finalement c'était pas complètement inhérent à notre métier, qu'il y avait aussi une part de spontanéité et une part de projet à monter autour de la RSE. Donc ça a fait beaucoup de bien, je pense, dans l'entreprise, et ça a aussi rappelé ce qu'était la RSE. Parce que je pense que parfois, ça peut devenir aussi un sujet technique dans les entreprises, et on peut le perdre de vue. On peut se dire, finalement, ça fait partie de mes missions. Et on perd de vue finalement la philosophie, l'ambition première qui était la nôtre. Et c'était aussi pour redonner un peu de simplicité à cette activité RSE et la remettre en lumière. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Et donc il faut qu'on continue la mobilisation parce que c'est un combat de longue haleine et ça ne s'arrête jamais en fait. Donc, et par ailleurs, là actuellement, on a refait notre internet de façon collaborative. C'est-à-dire qu'on l'avait travaillé un peu sous le design thinking. Et du coup, on avait prévu de mettre une espèce de formulaire en fait, dans l'intranet qui permet aux collaborateurs de remonter des projets. Et donc c'est encore assez récent, on n'a pas forcément beaucoup communiqué dessus pour l'instant, mais là on a eu les premiers projets qui ont commencé à remonter. Donc je pense que c'est aussi intéressant de voir que spontanément, il y a des sujets qui remontent. Alors ce n'est pas forcément des projets de grande envergure, mais il y a une empathie, il y a une appétence pour le sujet, et je pense qu'il faut qu'on aide à faire émerger ce type de projet, qu'on les accompagne dans l'entreprise, parce que finalement c'est ça qui aura de la visibilité, et c'est ça qui va emmener l'ensemble des collaborateurs. C'est la preuve par l'exemple. Quand ils verront que leur collègue qui avait une idée en tête, qui a pu la proposer et qui a pu la mener à bien, a eu finalement les conditions pour le faire, je pense que ça les aidera peut-être aussi demain à franchir le pas et à nous proposer des projets ou des actions qui pourront alimenter la réflexion RSE globalement dans l'entreprise. Merci beaucoup. On en reparlera tout à l'heure justement sur le rôle des responsables RSE pour donner aux collaborateurs les capacités d'innovation, parce qu'ils ont certainement beaucoup, beaucoup d'idées, ceux qui travaillent, qui sont en lien avec les clients, qui sont sur le terrain. Et en général, l'innovation vient aussi, vient souvent des collaborateurs. Donc on y reviendra juste dans la deuxième partie. Et par rapport aux parties prenantes externes, est-ce que vous avez senti aussi une évolution de la place de la RSE, même si, comme tu le dis, ça fait partie de l'ADN, mais une fois que c'est formalisé, peut-être qu'il y a aussi plus d'attentes. Alors complètement, d'un point de vue externe, je pense que le référentiel, il est de plus en plus important. Et on le voit chaque jour, le référentiel client, par exemple. Nous, on a vu une vraie évolution sur ce référentiel client. C'est pour ça qu'on réhabilite d'ailleurs massivement. Alors, il y a un référentiel client, mais il y a aussi un référentiel État, collectivité.
Donc, et par exemple, le RBM, l'engagement pour le renouveau du bassin minier, en est un très bon exemple. Donc, le bassin minier, historiquement, c'est là où se trouvent les logements des mines. Donc, c'est des logements qui étaient construits dans les années 20 pour certains, donc qui ont quasiment 100 ans maintenant, qui ont fait l'objet de travaux et de réhabilitation au fil du temps, mais qui, globalement, là, encore récemment, demeuraient comme des passoires énergétiques. Et il y a un vrai enjeu de pouvoir d'achat. Et donc, on voit bien que c'est devenu un sujet très sensible sur lequel on investit beaucoup. Donc, SIA réhabilite environ 600 logements par an. Il nous reste encore quelques 3000 logements miniers à réhabiliter. Et donc, tous les efforts là, de l'entreprise se portent sur cette réhabilitation. Parce qu'on se doit de répondre à cet enjeu de société, en fait. Et on doit intervenir rapidement pour faire en sorte qu'à terme, il n'y ait plus de passoire énergétique et que les charges des locataires ne partent pas en fumée sans faire de mauvais jeu de mots. Donc ça, c'est vraiment important. Et on sent une sensibilité orientée plutôt à un développement durable, pour le coup, que ce soit au niveau des collectivités, mais aussi au niveau des clients. Et donc ça, c'est de plus en plus important. Et je pense que même demain, ça pourra être une variable de différenciation, puisque dans le logement social, en fait, parfois les clients sont captifs. Il y a des tensions sur le marché. Le marché du logement est encore très tendu dans la région. Et par conséquent, il est parfois difficile de changer de logement dès lors qu'on est dans le logement social. Dans les territoires qui sont détendus, on commence à avoir des clients qui sont de moins en moins captifs et qui peuvent facilement passer d'un bailleur à l'autre. Et je pense que c'est aussi la valeur sociale et sociétale de l'entreprise qui demain fera la différence. Est-ce qu'on est un acteur à forte valeur ajoutée pour les territoires ? C'est aussi un des critères qui demain fera la différence entre les différents acteurs. Et c'est un enjeu, nous, qu'on prend très au sérieux et sur lequel on se mobilise. RSE comme élément de différenciation. Très bien. Denis, même question ? Point de vue collaborateur et partie prenante. Collaborateur et partie prenante. Voilà. Alors, je pense qu'on est un petit peu à une charnière où il faut qu'on sorte la RSE de ce côté très technique, avec les tableaux de bord, les indicateurs, les pourcentages de réalisation des engagements qu'on a pris. C'était un point incontournable, parce que si la RSE reste un beau discours qui n'est pas concret, je pense que ça vite la baudruche serait vite dégonflée. Donc c'était très important d'arriver à cette étape de structuration avec tous ces tableaux de bord, etc., que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, je m'en rends compte, et malheureusement le Covid a un petit peu freiné différentes actions, on a besoin maintenant d'embarquer plus les collaborateurs dans dans ce mouvement. Alors c'est pas simple parce qu'on a une activité qui est très atomisée. Je pense que c'est un petit peu ce que vit Audrey chez Kiloutou. Nous, un magasin, ça peut être 5 personnes, 10 personnes qui sont dans une petite ville en France ou n'importe où dans le monde. Donc comment arriver à embarquer les collaborateurs dans ce mouvement et dans cette connaissance, au minimum dans la découverte de ce que l'entreprise fait en matière de RSE, idéalement ensuite dans le partage et idéalement ensuite dans la participation des collaborateurs à l'accomplissement petit à petit des enjeux RSE. Alors, il y a les choses qui sont hyper descendantes, qui s'imposent aux collaborateurs. Quand on met en place le tri des déchets dans les magasins, là, ils deviennent un peu contraints et forcés, ils deviennent acteurs. Mais ce qu'il faut, c'est donner du sens à ça. C'est pas simplement leur dire, tu as la poubelle jaune, tu as la poubelle noire, et maintenant tu tries tes déchets. Et je pense qu'on est vraiment à cette charnière-là où il faut qu'on arrive à vraiment embarquer les collaborateurs pour qu'eux aussi fassent partager leurs propres convictions, donc à la fois qu'ils s'approprient ce qu'on va leur donner, mais également qu'ils puissent nous contribuer à cette démarche-là et trouver des moyens de relais de communication, des moments de partage pour qu'ils puissent également nous remonter leurs propres souhaits, leurs propres actions, leurs propres initiatives. C'est comme ça qu'on appelle souvent les actions RSE. Et là, on a plusieurs idées, mais qu'on a déjà un petit peu expérimentées. Par exemple, on a mis en place il y a quelque temps un réseau social d'entreprise avec des saisons d'innovation. Alors, le réseau s'appelle All Together, désolé pour le mauvais jeu de mots. Et ce réseau, il permet aux collaborateurs, suivant des saisons qu'on a déterminées, sur une thématique précise, de remonter leurs idées. Puis ensuite, les collaborateurs vont liker et puis ensuite, on va mettre en place la bonne idée. Il y a une saison d'innovation sur la RSE, et donc il y a quelques idées qui sont arrivées. Mais c'est encore des petites expériences. On manque encore un peu de systématisation sur cet aspect-là. Donc voilà, je pense que sur ce point d'embarquement des collaborateurs, on est au moment où on commence à basculer. Et puis sur les parties prenantes, là aussi, on a commencé à travailler dessus. Alors je vais donner trois exemples.
Le premier, c'est qu'on a d'abord commencé à légitimer auprès des parties prenantes qui pour nous sont très importantes, qui sont nos franchisés, nos partenaires internationaux, nos investisseurs. Alors c'est amusant parce qu'il y a un an et demi à peu près, j'étais exactement dans cette salle, on avait 44 pays, 44 investisseurs de 44 pays qui étaient venus, qui ont déjà des magasins Paul, et il a fallu que je me lance, il a fallu que je leur explique la vision de Paul en matière de RSE. Et ça a été très bien accueilli, ça a été un moment important parce qu'on a commencé à légitimer la vision de Paul en matière de RSE, on a commencé à expliquer ce qu'on allait faire avec eux, et surtout on a commencé à transformer ces résultats très techniques en actions concrètes qu'ils avaient déjà en fait découvertes. Donc ça, ça a été un point important, et c'est un point qu'on a dupliqué ensuite avec tous les investisseurs français un peu plus tard l'année dernière, et avec tous les directeurs de magasins succursales. Donc ça veut dire que ça y est, on a commencé un petit peu à acquérir vraiment une légitimité vis-à-vis des parties prenantes, pas tout à fait internes, parce qu'un franchisé, un investisseur, c'est pas un collaborateur, c'est pas un salarié du groupe, c'est quelqu'un qui doit adhérer à la marque, qui doit être convaincu que ce qu'on fait, c'est quelque chose d'utile pour faire profiter, pour faire prospérer son investissement et son effort de tous les jours dans la marque. Et donc ça, ça a été une étape importante. Et puis il y a deux étapes qu'on a prolongées. On s'est dit que sur certains sujets très spécifiques, et notamment tout ce qui est lié à la sécurité sanitaire, à la protection de l'environnement, on ne pouvait pas réfléchir tout seul en interne. Et on a pris l'initiative l'année dernière de créer, c'est peut-être un peu pompeux comme terme, mais ça dit bien son nom, un comité scientifique avec des gens qui sont tout à fait extérieurs, hein. On a un médecin nutritionniste, on a un professeur de l'école d'agriculture de Lille, on a une docteure en nutrition, on a un directeur scientifique d'un laboratoire d'analyse de chimie, et on a une ONG qui est spécialisée en bien-être animal, qui est une ONG qui a été, partenaire avec laquelle on avait des relations un peu privilégiées, qu'on a sollicité et à qui on a proposé de rejoindre ce petit comité de sages qui nous aide à réfléchir et à nous renvoyer un certain nombre de points importants. Donc ça s'est créé il y a un an, ça vit toujours. Pendant le Covid, ils nous ont beaucoup aidés parce qu'on les a interrogés, on leur a demandé ce qu'ils pensaient de la situation, quelle était leur vision de la suite. Et la réunion qu'on aura en décembre va être vraiment centrée sur cet aspect-là. Et puis il y a les dernières expériences que je partage sur cette implication des parties prenantes. Au-delà de sages qui viennent nous conseiller, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on arrive à créer une instance interne qui regroupe, non plus simplement pour un message descendant, mais pour un message vraiment de partage et de co-construction, il fallait qu'on intègre nos partenaires et nos franchisés, parce qu'ils portent la marque, et même beaucoup plus que nous. Les trois quarts des magasins, maintenant, ce sont des magasins franchisés, ce qui n'était pas le cas quand je suis rentré dans l'entreprise, où c'était exclusivement des magasins succursales. Et donc, on a créé une commission RSE, dans laquelle sont représentés des directeurs de magasins succursales, des partenaires de franchise, et qui nous aident là aussi à nous orienter les choix qu'on fait, faire des propositions et petit à petit fournir des solutions nouvelles sur l'accomplissement et l'avancement de ces stratégies RSE qu'on a définies. Merci beaucoup Denis, merci à tous les trois pour vos réponses. Quand on a préparé l'atelier ensemble tous les cinq, on a échangé sur le contenu, l'organisation de tout ça, et puis avec Laurie ensuite on a repris tout ça de notre côté, puis on s'est dit on va quand même leur mettre une ou deux surprises parce que sinon c'est trop facile. Donc la première petite surprise, c'est un petit vrai-faux avec une affirmation qu'on a voulu volontairement réductrice et à laquelle on va vous faire réagir. Le responsable RSE est le seul à être responsable de la RSE dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous confirmez ou infirmez cette phrase au sein de vos structures respectives? Vous allez être galant. À mon avis, un piège. Merci. Comment pourrait répondre vrai? Non, c'est effectivement faux. Souvent, on utilise le terme de chef d'orchestre ou pendant une période, effectivement, mais c'est certainement pas le seul. À être responsable du coup de la RSE dans l'entreprise, je pense que si on pousse le bouchon un peu loin, on se dirait qu'on est tous responsables de ça, évidemment dans l'entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer la responsabilité aussi des parties prenantes externes.
Je vais reprendre exactement les mêmes que tout à l'heure, mais un client, il va aussi nous aider, ou en tout cas, on va le solliciter aussi pour nous aider à aller plus vite sur certains sujets, hein, nos actionnaires de la même façon. Mais on est tous porteurs de cette démarche. Après, là où c'est important, c'est que, et on le verra certainement après, c'est qu'à un moment donné, il faut choisir aussi les combats. Donc, on ne peut pas tous faire tout. Donc, c'est important qu'à un moment donné, il y ait effectivement un chef d'orchestre ou en tout cas qu'il y ait des comités qui permettent de choisir les sujets. Merci Audrey. Une autre réaction ? Alors, effectivement, c'est faux. Hein. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien me définir comme un facilitateur en interne. Je pense qu'il ne faut surtout pas que la RSE soit monopolisée dans un service en particulier. Elle doit être partout dans l'entreprise et ça doit être vraiment incarné, je pense. Il faut que chaque collaborateur se sente concerné par les enjeux de la RSE. Et donc ça veut dire qu'il faut faire de la pédagogie, qu'il faut sans cesse, ça a été dit tout à l'heure dans la première intervention, mais il faut sans cesse rappeler, faire preuve de pédagogie et ne pas hésiter à repasser les messages. Ça passe aussi par l'échange effectivement avec les parties prenantes extérieures. Nous, par exemple, dans notre métier, on a les conseils de concertation locative avec qui on travaille beaucoup, à qui on présente la plupart des grandes évolutions de l'entreprise. Donc ça, c'est important. Et puis aussi en interne, associer les IRP. Je pense que c'est aussi important d'associer globalement nos représentants à l'évolution de l'entreprise et même aller plus loin, puisque nous, on a fait le choix de finalement travailler le projet stratégique avec l'ensemble de nos collaborateurs. Et donc on a une communauté de 72 collaborateurs qui travaillent sur le projet stratégique. Et je pense que c'était aussi pour montrer que la RSE, la stratégie, l'innovation ne sont pas monopolisées et doivent être partout dans l'entreprise. Et chacun doit pouvoir co-construire cette vision globale de l'entreprise au quotidien en intervenant dans des groupes projets et en ayant place à la parole, en permettant de faire remonter ses idées et après de travailler de concert avec l'ensemble des collaborateurs. Merci Laurent. Denis, une réaction, vrai ou faux ? J'ai pas grand-chose à ajouter. J'ai envie de dire qu'on est tous sauf responsables de la RSE. Le vrai responsable de la RSE, c'est l'acheteur qui a réussi à basculer d'un approvisionnement en œufs de poules élevées en cage vers un œuf de poules élevées en plein air. C'est le responsable magasin qui a briefé son équipe pour que le tri des déchets se fasse correctement. C'est le pâtissier de la R&D qui a réussi à créer une recette avec moins de matière grasse, moins de sucre ou moins de sel, etc., etc. Donc je pense que les vrais responsables RSE, il y en a très très nombreux dans l'entreprise. Et peut-être pour compléter sur ça, c'est que moi j'ai sur deux exercices d'entreprise et de co-construction, comme tu le disais, dans nos projets de vision, où on se projette à 10 ans, le Kiloutou 2020 ou le Kiloutou 2030, ou dans le projet de la création de la raison d'être de Kiloutou, où effectivement beaucoup de collaborateurs sont intervenus, ils ont pris leurs responsabilités puisque justement ils se sont exprimés beaucoup sur cette envie d'aller plus loin sur ces sujets. Et ça, c'est vraiment important qu'effectivement, encore une fois, ils osent. Ils y aillent et ils se positionnent aussi effectivement assez fortement à différents événements sur ces sujets-là. Merci beaucoup à tous les trois. Avant de passer à la deuxième partie, on a une petite question qu'on va prendre rapidement. Alors un petit peu plus spécifique du coup pour Laurent, puisque c'est par rapport au trophée RSE en interne dont tu as parlé tout à l'heure. Comment l'idée a germé ? Comment tu réussis, enfin oui, l'entreprise réussit à mobiliser des collaborateurs sur ce projet ? Et est-ce que ça se déroule sous la forme d'une compétition entre salariés ? Alors, globalement, en fait, les trophées RSE en interne ont été créés dans le cadre du projet stratégique. Donc, on avait proposé 9 thématiques à l'ensemble des collaborateurs. Donc, pour cela, j'ai fait la tournée des 600 collaborateurs de l'entreprise au travers de 42 réunions. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller proposer la vision stratégique du comité de direction générale et la proposer à l'ensemble des collaborateurs. Et il y avait une thématique autour de l'éthique au sens large qu'on a estampillée RSE. Et donc, il y a un groupe qui a été monté. Il y a des collaborateurs qui se sont portés volontaires pour travailler sur cette thématique. Ils étaient de tous horizons.
Et dans le cadre de leurs travaux, en fait, l'objectif, c'était de réécrire la stratégie RSE de SI Habitat, de lui donner un nouvel élan. Et donc, dans le cadre de leur projet, ils ont travaillé sur ces trophées de la RSE. Donc, c'est eux qui nous les ont proposés. Et du coup, on a lancé un appel au volontariat. On a mis en place une plateforme sur laquelle avait accès l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise pour leur permettre de faire remonter leur projet. Alors effectivement, on a eu un peu plus de projets qu'il n'y avait de prix à proposer. Et donc, on a créé des catégories, la catégorie sociale, sociétale, environnementale, etc., pour permettre de classer déjà les projets entre eux. Et effectivement, après, on a réuni quelques personnes dans l'entreprise, en plus du groupe de travail, pour déterminer quels projets on souhaitait mettre en lumière. Et alors, ça n'a pas été fait réellement sous forme de compétition, puisque l'idée aussi, c'était de pouvoir récompenser un large public et d'avoir aussi l'opportunité de mettre en avant des projets qui n'étaient pas forcément de grande envergure. Il y avait aussi beaucoup de petites actions. Mais l'idée, c'était de montrer qu'il y a des actions qui émanent de tout le monde dans l'entreprise, quel que soit son niveau hiérarchique, quelle que soit sa position, quel que soit son emploi. Et c'est plutôt ça qui a motivé le choix et la récompense des projets. L'idée, c'était de montrer que la RSE, elle est partout et qu'on puisse finalement féliciter et encourager un peu la RSE partout où elle se trouvait dans l'entreprise. Donc c'est plutôt ça qui a motivé les choix au sein de ce groupe. Merci beaucoup, Laurent. Alors, on va passer à la deuxième partie de cet atelier. On va mettre un petit peu de côté la stratégie de l'entreprise et on va surtout parler de vous et de votre place dans l'entreprise. Donc, comme on l'a vu dans cette première partie, on voit bien que le rôle du responsable RSE, il a quand même énormément évolué, mine de rien. Historiquement, c'est un métier qui visait surtout à mesurer, à rendre compte finalement, à montrer aux parties prenantes externes voilà, tout ce qu'on fait. Et vous avez cité des objectifs comme agitateur, chef d'orchestre, facilitateur. Donc on voit bien que, alors évidemment, il faut toujours mesurer et rendre des comptes, hein, je ne dis pas qu'il faut arrêter de le faire, mais on voit que le rôle du responsable RSE, il a quand même beaucoup évolué. Alors ma question, c'est est-ce que vous avez senti cette évolution? Quel est votre rôle aujourd'hui dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Quoi, un petit peu les grands défis que vous avez au quotidien? Vous avez 2 heures. Audrey, tu veux commencer? Ça marche. Oui, alors, je pense qu'il évolue pour plusieurs raisons, par rapport à la maturité de l'entreprise, par rapport à notre maturité aussi. Hein, j'ai l'impression qu'on est plus tous dans des promotions internes, enfin des métiers qui ont évolué et on a évolué dans l'entreprise. Et je pense que c'est important de bien connaître l'entreprise pour notre métier. Donc justement, et donc aujourd'hui, pour moi, enfin mon métier, c'est de bien connaître mon entreprise. Ça, c'est pour moi, c'est primordial. Donc soit on vient de l'extérieur, il faut vite comprendre comment elle fonctionne, parce que c'est un vrai accélérateur et ça nous permet de sentir, d'avoir des remontées, d'avoir notre réseau, effectivement. Et c'est pour moi aussi de bien connaître notre écosystème au sens très, 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 très large. Savoir ce qui se passe, ce qui va arriver, ce qu'on va nous demander, ce qu'on attend de nous en interne, en externe. Ça, c'est vraiment primordial pour s'assurer qu'on on travaille toujours sur les bons enjeux. Alors, il y a le métier de l'équipe et il y a mon métier. Pour moi, mon métier, c'est celui-là. Et derrière, du coup, de m'assurer, alors soit, effectivement, on est souvent très facilitateur. Donc on va aller en transverse challenger les différentes directions ou juste s'assurer qu'on est bien en phase. Soit on va faire des choses parce que c'est notre responsabilité sur certains sujets. Mais cette partie-là, cette partie transverse, elle est vraiment importante. Et derrière, de s'assurer que ça va se décliner de façon concrète. Et de travailler à la fois sur du long terme, donc c'est là où c'est bien important de connaître notre écosystème, notre territoire, et de connaître, mais de s'assurer aussi qu'il y a des choses qui vont être faites assez rapidement. Donc d'avoir des laboratoires, d'avoir des choses très concrètes, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer, de montrer que c'est possible, d'emmener un maximum de monde. Et quand c'est fait, alors là c'est dans les anciens responsables qualité, c'est-à-dire que dans notre démarche, c'est aussi de vérifier que ça soit toujours fait. Donc voilà, donc c'est
travailler sur les enjeux et s'assurer avec toutes les informations qu'on a, qu'on travaille sur les bons enjeux, derrière les décliner et embarquer, ou alors juste vérifier que c'est lancé, et puis aller vraiment jusqu'au bout de la démarche pour être sûr que c'est concret. Et juste pour compléter, parce que du coup on voit bien que tu as besoin d'être en contact avec tout le monde dans l'entreprise, quelle liberté tu as finalement ? Est-ce que ta carte blanche, comment ça se passe ? Quels moyens sont mis à disposition de la direction RSE et quelle liberté vous avez ? Alors, on a la liberté de parler à tout le monde, ça y est, il n'y a pas de problème. Déjà pas mal. Plutôt une bonne écoute. Alors, je pense que l'ancienneté, elle fait beaucoup. Alors, si on ne l'a pas, on travaille autrement, mais ça, je pense que c'est vraiment important. Donc, c'est d'échanger régulièrement, même sur des sujets qui ne sont pas spécialement, mais d'être à l'écoute, voilà, d'être assez disponible. En termes de moyens, moi, j'ai. À peu près 8 personnes dans l'équipe, ça a un peu fluctué là dernièrement, mais peu importe. Et pour moi, il y a vraiment la moitié, alors pas pour la RSE, hein, pour la RSE, la qualité de l'environnement. Il y a la moitié qui est sur le terrain, qui est en agence. Donc pour nous, ça c'est vraiment important, qui a les chaussures de sécurité au moins 3 jours par semaine et qui accompagne, voilà. Et c'est aussi un bon moyen de remonter les informations. Donc ce moyen-là, il est important pour nous. On est une boîte concrète, on fournit des services concrets, il faut qu'on soit auprès du réseau d'agences. Ça, pour moi, c'est un incontournable. Et l'autre partie de l'équipe qui travaille sur les projets qui correspondent aux enjeux. Donc là, principalement, comme je disais tout à l'heure, les achats responsables et l'environnement, on est venu compléter des compétences qui n'étaient pas présentes dans l'autre entreprise. Donc voilà. Et après, c'est effectivement quel moyen, c'est aussi d'intervenir régulièrement dans les sphères d'échange qui sont importantes et qui vont permettre effectivement d'influer sur la stratégie. Et je pense que là, la porte, elle est ouverte. Alors, souvent, on ne frappe pas à la porte. Mais c'est ça qui est aussi important. Et peut-être pas important de rajouter toujours des cercles en plus, c'est-à-dire vraiment infuser dans les réunions qui sont déjà en place, dans les échanges qui sont déjà assez réguliers, que ce soit avec notre réseau d'agences ou que ce soit avec notre direction, c'est d'être régulièrement... présent dans ces réunions-là et d'intervenir. Et juste pour finir, vous êtes perçu comment alors par rapport au reste des collaborateurs ? Parce que justement, quand tu vas taper à la porte, comment vous êtes reçu ? Alors, je pense qu'on a plutôt une grosse cote de sympathie. Ça, c'est ça bien. Alors, pour certains, on a un peu la casquette du militant, soit en environnement, soit féministe, soit voilà. Alors, on n'est pas ça, mais ce n'est pas grave, parce que du coup, ça leur permet de discuter assez facilement de plein de sujets. Alors, souvent, effectivement, on est vu comme un peu des agitateurs, donc on va arriver avec des nouveaux sujets, ou alors comme des. Comme on va aussi beaucoup auditer nos sites, comme on va faire des photos à un moment donné, donc il y a peut-être des fois un peu de stress, mais comme c'est toujours dans le but de conduire le changement et d'être dans la pédagogie, ça se passe toujours bien. Mais non, je pense qu'il y a plutôt bien vu. Par contre, si c'est des sujets nouveaux, il faut que ça soit bien préparé. Voilà, donc ça rejoint peut-être des sujets de tout à l'heure, c'est-à-dire que des fois, il faut aller chercher des compétences qu'on n'a pas toujours, une expertise qu'on n'a pas toujours, et il faut maîtriser ça si on pense que c'est vraiment un sujet qu'il va falloir porter. Il faut arriver avec des choses déjà bien calées, enfin, en tout cas pour pouvoir avoir des échanges constructifs rapidement. Merci beaucoup. Qui veut prendre la suite ? Donc le rôle, Laurent, le rôle dans l'entreprise, des grands défis, les moyens que tu as pour mener à bien tes missions ? Alors le rôle, j'y reviens, c'est pour moi c'est vraiment un rôle de facilitateur et je pense que le grand défi c'est accompagner le changement en fait. Aujourd'hui nous dans le logement social on a dû faire face à beaucoup d'évolutions et je pense qu'on doit se réinventer. C'est aussi pour ça qu'on ambitionne de devenir le bailleur social de demain. Au cours des dernières années, on a eu pas mal de grandes orientations, qu'elles soient sociales, sociétales ou réglementaires, qui ont fortement impacté notre métier et donc notre quotidien. Et par conséquent, il y a un accompagnement du changement à faire. Donc ça, c'est vraiment important. Et justement, d'avoir cette posture de facilitateur, je pense que ça aide. Globalement, il y a aussi une grande orientation qui est donnée par l'entreprise et par la direction générale et qui permet aussi de pouvoir facilement déployer cette vision de la RSE ou de la vision de la stratégie dans l'entreprise. Et je pense que ça, c'est aussi fondamental.
Chez nous, la direction générale est clairement porteuse de ces messages, les relaie régulièrement, l'incarne, et par conséquent, ça facilite réellement le travail au quotidien. Ça permet de l'incarner et de le structurer au quotidien. Donc ça, le premier point, c'est vraiment le changement. Et effectivement, après, il faut aussi accompagner la remontée, la collecte d'informations qui reste aussi très importante dans nos métiers, mais qui ne doit pas prendre le pas. Il ne faut pas rentrer dans une logique comptable des choses. Et je pense qu'il faut aussi rappeler régulièrement la philosophie des choses, toujours parce que justement ces changements appellent à modifier un certain nombre de choses, appellent à revoir nos référentiels, parce qu'on a tous des référentiels métiers, sociaux, économiques, sur lesquels on est changeant. Et donc ça devient aussi parfois un parcours du combattant pour essayer de faire bouger un petit peu les choses. Et donc il faut accompagner tout ça, il faut rassurer. Et puis, il faut être aussi parfois un peu pilote sur ces sujets-là pour montrer que c'est possible. Et cette posture de facilitateur fait aussi que ça passe un peu mieux, que les gens se sentent aussi rassurés dès lors qu'ils savent que la cellule innovation et RSE va les accompagner sur ces sujets-là, va les accompagner sur le projet stratégique, va les accompagner éventuellement en mode projet. En les formant, en leur expliquant comment ça se travaille du mode projet, en mettant en place des outils spécifiques pour faire en sorte qu'ils aient les meilleures conditions possibles, les meilleures ressources possibles pour atteindre l'objectif qui leur est fixé. Donc, et je pense qu'il y a aussi un travail de réassurance à faire dans nos entreprises parce que tout va très vite maintenant. Les réseaux sociaux, Internet, il y a un vrai effet d'immédiateté et on a besoin de concret en fait. Je pense qu'il faut revenir aussi aux fondamentaux et rappeler l'aspect concret des choses. Et par conséquent, il y a une obligation quelque part de moyens, mais aussi une obligation de résultats qui émerge de plus en plus. Il faut donner à voir et il faut donner du sens à nos actions. Donc ça, je pense que c'est vraiment important désormais dans le rôle du responsable RSE. Merci beaucoup. Denis ? Alors, mon port d'attache, moi, c'est la qualité. Mais quand je serai grand, je serai responsable RSE, hein, promis. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis quelques temps. Mais finalement, c'est intéressant parce que la qualité, ça, sur le plan du mode d'action, c'est tout à fait identique à la RSE, je trouve. C'est-à-dire que c'est un métier qui est très transversal. C'est un métier qui s'inscrit souvent dans, pas dans du court terme, hein. Il peut y avoir des quick wins, il peut y avoir des choses qu'on peut arriver à réaliser très rapidement, mais souvent on s'inscrit sur des actions qui sont plutôt du moyen-long terme. Quand on parle de la transition sur des modes d'approvisionnement de viande, d'œufs ou autres, on s'inscrit sur 4, 5, 6 ans de perspective. Hein. Donc il faut faire preuve d'un peu d'opiniâtreté, à la fois vis-à-vis de soi-même, en se disant, voilà, c'est pas un truc que je lance et puis on verra bien si ça retombe, hein. Il faut le suivre, pas tous les jours, parce que sinon, ce serait un peu morose, mais il faut arriver quand même à avoir en permanence cette vision sur le moyen-long terme. Et du coup, le mode d'action par rapport à ça, je rejoins ce que disait Audrey, on n'est pas des gens qui sont mal perçus dans l'entreprise. Hein. Les messages qu'on véhicule sont des messages auxquels, globalement, tout le monde adhère. Sauf que, on n'a pas le temps, et puis on n'a pas l'argent pour le faire. Donc, il faut qu'on arrive à trouver les leviers pour faire en sorte qu'on trouve le temps et qu'on trouve l'argent. Et pour trouver le temps, il faut faire en sorte que le métier de la RSE, pour chacun, s'intègre dans son activité quotidienne. L'acheteur, je ne vais pas lui dire tout d'un coup de travailler sur un projet RSE. En revanche, je vais essayer de lui expliquer pourquoi est-ce que quand il est en appel d'offres sur la farine, pourquoi c'est important de prendre en compte le mode de culture du blé. Et maintenant, aujourd'hui, l'acheteur de blé et de farine, en l'occurrence, c'est le meilleur promoteur de la RSE vis-à-vis de ce point-là. Donc c'est bon, ça tourne. Et je pense que notre levier d'action, il est surtout là-dessus, de faire en sorte que les gens arrivent à s'approprier le sujet, pas à notre place, mais dans leur métier. Du coup, ça ne va pas leur prendre de temps supplémentaire. Ils vont le faire en même temps que ce qu'ils feraient tous les jours. Et puis alors, quelquefois, effectivement, c'est plus difficile de leur dire comment est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte que ça ne coûte pas d'argent globalement à l'entreprise. Là, je reconnais que ce n'est pas toujours facile. Il y a des sujets qui vraiment vont coûter. Et là, il faut utiliser des leviers qui sont quelquefois des leviers réglementaires, des leviers concurrentiels, des leviers de positionnement de marque, parce que forcément, il n'y a pas de ROI en monnaie sonnante et trébuchante. Mais en revanche, il y a l'entreprise, en s'appropriant un ensemble de sujets, va s'inscrire dans la durabilité par rapport aux thématiques que je viens de citer. Mais dans certains cas, heureusement,
investir dans la RSE, investir dans une matière première, dans une action, dans un nouveau mode de fonctionnement, ben on peut arriver à chiffrer combien ça va rapporter à l'entreprise en s'alliant là aussi avec des alliés hein, qui vont être le marketing, qui vont être le contrôle de gestion, qui vont être tel ou tel autre service. Et vraiment, je pense que c'est ça, à mon avis, la façon dont il faut imaginer le rôle de RSE. Le rôle du responsable RSE, c'est ne pas faire des réunions qui soient strictement sur cette thématique, parce qu'on va intéresser au début, mais au bout d'un moment, on va lasser, et on va dégoûter peut-être, mais c'est faire en sorte qu'on aille permettre à chacun de s'approprier le sujet dans son domaine de compétences. Merci beaucoup. Et donc finalement, tous les trois, c'est quoi que vous préférez dans votre métier ? Allez, je reprends. Vas-y, Denis. Allez, j'avais la main ou le micro, je reprends. Moi, ce que j'aime, c'est la transversalité. C'est que bah, je peux me retrouver travailler voilà, sur la baisse du taux de sel dans le pain avec le responsable boulanger de la R&D. Et puis, bah, demain, d'ailleurs, c'est la vraie vie. Je suis avec la RH. Je vais parler égalité homme-femme. Je vais parler handicap. Et je vais parler bien-être au travail et enquête qualité de vie au travail. Le grand écart est un peu sévère et pourtant c'est passionnant. Et ils vont m'apporter, tous les deux, ils vont m'apporter plein de choses que je ne connais pas. Donc je pense que c'est, à mon avis, la plus grande satisfaction, je dirais, du travail, c'est d'arriver vraiment à avoir une vision à 360 degrés de l'entreprise sur toutes les thématiques. Et puis également, au-delà de l'entreprise, on parlait des parties prenantes, de pouvoir discuter avec des gens auxquels j'aurais pas imaginé discuter. Je prends un exemple très concret. Hein. J'ai très souvent en ligne des gens qui sont L214. L214, c'est une ONG que tout le monde connaît pour les vidéos un peu brutales qui diffusent sur les réseaux sociaux, la télévision. Ben voilà, ça fait 2 ans qu'on s'appelle régulièrement, qu'on discute de ce qu'on fait, que petit à petit, j'ai gagné un petit peu leur confiance sur les engagements qu'on prend, même si quelquefois, je suis obligé de les faire patienter parce qu'on ne peut pas tout faire bien tout de suite. Mais voilà, je pense que c'est ça vraiment moi qui me motive. Cette notion de transversalité et cette notion de panoplie de contacts qu'on peut avoir en permanence. Et pour compléter sur cette question, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es particulièrement fier ? Alors, soit un engagement de ton entreprise, soit une action que tu as pu mener, soit quelque chose que tu as vu au sein du groupe Holder et de Paul en particulier ? Alors, il y a plein de choses dont je suis très fier. Le plus fier. Alors, je vais citer l'exemple de la période qu'on vit actuellement. Moi, je suis très fier de mon entreprise qui a pour mission de nourrir les gens, de faire du pain. C'est un produit qui est quand même extrêmement basique. Le pain, c'est un produit qui est très symbolique aussi. Et quand le 17 mars de cette année, tout d'un coup, on s'est retrouvé en confinement, la question s'est posée de se dire, mais nous, il y a des magasins qui faisaient 10 euros de chiffre d'affaires, 20 euros de chiffre d'affaires. Et la question s'est posée de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait ? On ferme tout, on retourne chez nous comme tout le monde. Et il y a eu un élan de solidarité formidable de tous les collaborateurs pour dire, non, non, nous, on est volontaires, même si on ne fait pas forcément chiffre d'affaires, même s'il faut aller, on ne sait pas très bien comment recevoir des clients face à cette maladie, ben on ne sait pas très bien comment est-ce qu'on va arriver à la capter. Il y a eu un élan de solidarité formidable pour continuer à ouvrir les magasins, pour aller donner des marchandises à des associations. On a monté une équipe, par exemple, qui tous les jours a livré des croissants et du pain pour les SDF de la région lilloise. On a isolé tous les stocks de masques, de blouses jetables, de surchaussures, de charlottes, dont on n'avait plus l'utilité parce que nos usines étaient fermées. Et on l'a donné au CHR de Lille, à Valenciennes, etc. Et ces actions qu'on a faites, nous, en interne, elles ont été relayées sans aucune concertation par des partenaires franchisés qui ont fait la même chose en allant livrer des croissants aux soignants de l'hôpital de Toulouse ou de Perpignan. Et ça, c'était inscrit dans aucun plan, dans aucune stratégie RSE. Et ça s'est fait spontanément en quelques jours. Donc voilà, en termes de fierté, voilà. Merci Denis. Audrey, ce qui te fait vibrer dans ton métier et puis peut-être une fierté particulière. Alors, je trouve qu'on a vraiment le plus beau métier de la boîte. Donc, ça, c'est... Du coup, globalement, je pense que tout est vraiment intéressant. Et effectivement, c'est la transversalité, la richesse et le fait que c'est quasiment inépuisable. En tout cas, moi, j'en vois pas le bout. Donc, c'est des sujets... Il n'y a pas 2 années qui suivent qui sont identiques. Voilà, j'ai travaillé depuis 8 ans. Je pense que c'est vraiment ça qui fait la richesse de notre métier. Effectivement,
qu'est-ce qu'il y a de plus valorisant que de travailler sur la limitation de nos impacts négatifs et de maximiser nos impacts positifs, hein. Je veux dire, c'est vraiment ça qui me fait me lever tous les matins, en ayant du coup la chance d'échanger avec effectivement énormément de monde, que ce soit encore une fois de mettre les chaussures de sécurité pour aller accompagner les équipes sur un tri de déchets, hein, la partie la plus galmour de notre métier, mais elle est importante, et de réexpliquer pourquoi c'est important de ne pas jeter la perceuse qui est en fin de vie dans la poubelle, même si notre fournisseur nous dit que c'est possible. Non, il y a une filière et il faut l'utiliser, donc ça c'est passionnant, mais c'est aussi super sympa d'aller travailler avec un de nos clients sur justement ces impacts carbone et voir comment ensemble on peut les faire baisser, parce que c'est les impacts carbone de Kiloutou, ils sont surtout sur le chantier de nos clients, donc ça c'est passionnant, ou d'aller avec un fournisseur sur sa nouvelle gamme de matériel et tester un nouvel élévateur qui émet trois fois moins de carbone. Donc je pense que c'est ce qui fait vraiment notre richesse. La richesse de notre métier. À côté de ça, quelle est la plus grande réussite? Je pense que c'est le chemin qu'on a parcouru. Alors, c'est assez bête, mais c'est important aussi de quantifier et de communiquer régulièrement, parce que du coup, on peut sortir le rapport RSE d'il y a 5 ans et se dire, ah ouais, on en était là et voilà où on en est aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment important de savoir qu'effectivement, maintenant, on parle d'impact dans l'entreprise. Notre projet RSE s'appelle Impact, de savoir que tout le monde... Alors, peut nous interpeller sur différents sujets parce qu'ils ont identifié ce que c'était et le rôle qu'ils avaient à jouer. Donc ça, c'est très bien. Et pendant longtemps, on a plutôt regardé derrière pour voir si les gens nous suivaient ou à côté, si on avait des personnes qui nous accompagnaient. Et la plus grande fierté, c'est de voir que maintenant, des fois, on a des gens devant et c'est nous qui devons aller les rechercher. Et ça, c'est vraiment... je trouve que vraiment le virage, il s'est fait là dernièrement, c'est que les gens osent, enfin les équipiers, les collaborateurs osent. Et quand je dis les collaborateurs, c'est vraiment encore une fois à tous les niveaux. C'est notre président qui prend la parole sur l'environnement à la dernière conférence Act and Fact, chose qu'il n'aurait jamais faite il y a 2 ans, mais parce qu'il est plus à l'aise avec le sujet, parce qu'il a osé. C'est aussi David, un commercial, qui il y a 2 ans nous interpelle en disant « Moi, je ne comprends pas que je roule encore avec une voiture diesel, je ne comprends pas. » Et qui nous envoie une photo parce que ça y est, il a eu sa Zoé et qu'il est super fier de se balader sur Paris avec, parce que pour lui, c'était vraiment important. Et que ça faisait partie des choses qu'il avait envie vraiment de... C'était pour lui son impact principal, et il avait vraiment envie qu'on agisse dessus. Donc c'est la plus grosse fierté, je pense, qu'on puisse avoir aujourd'hui. Merci beaucoup, Audrey. Laurent, je te donne la parole et j'ajoute, parce qu'on a plein de questions. Du coup, tu as une question bonus à laquelle vous pourrez aussi, sur laquelle vous pourrez aussi rebondir. Et quel est votre plus grand rêve en tant que responsable RSE? Et dans votre rôle en tant que responsable RSE, vous vous direz, j'ai réussi ma mission, si quoi? Donc Laurent, je te laisse donc répondre dans l'ordre à ce que tu préfères, ta plus grande fierté, ton rêve et ce pourquoi tu auras réussi ta mission. Le challenge est relevé, hein. Alors, globalement, moi, je vais rejoindre les 2 témoignages précédents. En fait, je pense que c'est effectivement l'éventail des possibilités. Quand on intervient sur la RSE, bah, on touche à tout, finalement. Et on est fédérateur et on est spectateur aussi, quelque part, de ce qui se passe dans l'entreprise. Et donc, ça, c'est vraiment enrichissant. Donc, on accompagne aussi, bien évidemment. Donc, on peut travailler, effectivement, sur les constructions bois, en passant par la permaculture, en passant par l'accompagnement social. Donc, ça offre une richesse qui est vraiment très intéressante au quotidien et qui est très motivante. C'est aussi pour la fierté, l'engagement. Là, on sort d'une crise sanitaire qui a été très lourde et on a vu l'engagement des collaborateurs. On est aussi dans une entreprise engagée et ça s'est fortement aussi ressenti. Donc ça, c'est aussi le sentiment de faire partir de quelque chose de très grand qui impulse sur des choses qui ont un impact au quotidien sur les territoires, pour les collaborateurs, pour les clients. Donc ça, c'est aussi ce sens de l'intérêt général qui nous fait le lever le matin, on sait pourquoi on travaille, on sait que notre activité a du sens, et on le voit bien d'ailleurs chez nos jeunes collaborateurs qui souvent font le choix de SI Habitat parce que il y a des valeurs qui sont fortes et il y a un intérêt général qui est clairement porté, et puis c'est aussi les engagements de la direction générale qui a impulsé le changement, donc en disant qu'il fallait oser,
qu'on avait le droit à l'erreur. Et ça, c'est quand même assez exemplaire pour une entreprise de dire à ses collaborateurs, vous avez tous voix au chapitre et surtout, vous avez le droit de vous tromper, mais vous avez surtout le droit d'oser, en fait. Et donc ça, je pense que c'est vraiment super pour nos collaborateurs et in fine aussi pour nos clients, parce que bah, forcément, un collaborateur qui est bien dans son entreprise, c'est aussi un collaborateur qui a à cœur de répondre aux attentes du client et de satisfaire ses besoins. Donc c'est finalement un cercle vertueux qui est mis en place et qui se travaille au quotidien. Alors c'est pas toujours facile, la route peut être sinueuse, mais globalement je pense qu'on a quand même la chance d'avoir ce système là qui est mis en place et qui fonctionne bien et qui d'ailleurs est plébiscité par les collaborateurs, puisque au sortir de la crise on avait réalisé une enquête pour voir un petit peu comment nos collaborateurs avaient vécu cette crise sanitaire. Ils ont été très nombreux à répondre. Sur les 600 collaborateurs, on a eu 78% de taux de réponse. Et globalement, sur la plupart des questions qu'on avait posées, on culmine à des taux de satisfaction qui soient soit proches de 90%, soit au-delà de 90%. Notamment sur le fait de s'être senti protégé par l'entreprise, d'avoir confiance dans l'avenir pour l'entreprise, etc., etc. Donc ça, c'est des résultats aussi qui sont très importants. Et puis là, actuellement, on est engagé aussi sur le baromètre social auquel j'ai contribué. Donc pour justement aussi prendre la température et savoir en termes de climat social où on en est. Donc effectivement, bah, c'est... chaque jour son lot de tâches, mais son lot de tâches très différentes. Alors pour le rêve, donc vous avez vu, hein, que j'ai essayé d'y arriver le plus tard possible. moi, le rêve, c'est que on puisse continuer finalement à agir comme on le fait et qu'on puisse contribuer au mot de la société, en fait. Nous, en tant que bailleur social, on est confronté, et en particulier sur nos territoires, à la misère sociale au quotidien. Et je pense que si on peut, par notre travail, par notre contribution, à altérer cette misère sociale, je pense que ça sera un énorme pas de franchi. On s'y emploie au quotidien, on travaille sur l'emploi, on travaille sur la santé, on travaille sur la culture. C'est-à-dire que finalement, on s'est dit que notre champ d'interpellation ne pouvait plus simplement être le logement social en tant que tel. Et historiquement, notre activité, c'était de construire et de gérer. Et on a fait le choix, nous, de prendre un nouveau paradigme, de prendre un autre cap, qui est de le loger, animé et accompagné, qu'on résume souvent par le passage de l'habitat à l'habité. Et dans l'habité, il y a des solutions multiples, il y a une approche globale, il y a la notion de performance globale, et ça, j'y crois beaucoup, mon entreprise aussi, et c'est pourquoi j'aimerais bien que cette orientation qu'on est en train de donner à l'entreprise nous permette d'avoir un impact fort sur nos territoires, d'avoir un impact fort sur la misère qui peut exister dans certains de nos quartiers ou dans certaines de nos villes, et qu'on puisse être en capacité, à notre échelle, à notre niveau, d'atténuer cette misère sociale. Merci beaucoup. Et toi, Denis, tu auras réussi ta mission de futur responsable RS. Un jour. Quoi ? Non, je ne sais pas s'il y a un indicateur de ça. Je pense effectivement que je l'aurais réussi si elle ne s'éteint pas, si elle continue à vivre. Parce que je pense que les enjeux RSE d'une entreprise quelle qu'elle soit, on a trois entreprises très différentes, ils sont sans cesse renouvelés. Les attentes des clients, les attentes des collaborateurs, les contraintes environnementales, les enjeux sociétaux sont en permanence en train de se renouveler. Les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui nous semblaient, soit on n'en avait même pas conscience il y a 10 ans, soit ils nous semblaient complètement futiles, marginaux et nous intéressaient pas. Et donc je pense qu'il faut qu'on soit en écoute de ce qui est en train de se passer, parce que les petits signaux qui sont en train de se passer dans certains domaines à aujourd'hui sont sans doute les mouvements de société de demain. Et donc je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question, quand est-ce que la mission sera terminée, quand est-ce qu'elle sera réussie. Audrey ? Je pense que c'est ça, c'est qu'effectivement on est dans du très long terme, on a l'impression qu'on a encore tellement de choses à faire, mais déjà si tous les équipiers sont fiers, les collaborateurs sont fiers de leur boîte, c'est déjà un super indicateur, je trouve. Ça veut dire que notre boîte, elle est pérenne, elle est responsable dans tous les sens du terme.
Si on est fier de vendre louer le matériel qu'on loue, si on est fier de monter dans la voiture le matin ou dans notre camion parce qu'il est plus vert, je pense que c'est un bel indicateur. Sans oublier toujours effectivement la pérennité de la boîte, mais je pense que à tous les niveaux, si tout le monde est fier, c'est qu'on a atteint notre objectif. C'est un peu comme les maisons. Il y avait les maisons passives, maintenant on a les maisons à énergie positive. Et ben là, c'est pareil. C'est le jour où ma boîte aura plus d'impact positif, maximise cette partie-là. Je pense qu'on pourra tous être fiers. Merci beaucoup à tous les trois. C'est l'heure de la deuxième surprise. Alors, cela, c'est plus un vrai ou faux, c'est un je suis plutôt. Alors, l'idée avec cette question, c'est de savoir quel responsable RSE vous êtes au quotidien, donc connaître un peu plus sur la façon dont vous communiquez avec vos équipes, sur les missions qui vous occupent le plus. On a déjà un petit peu abordé, mais là, on l'a illustré de cette façon. Donc, ça peut être tout à fait évident pour vous de vous diriger vers un seul personnage, mais ça peut aussi être plus nuancé. Donc, n'hésitez pas à en choisir plusieurs. Je vous présente les madames et puis Laurie vous présentera les messieurs. Alors, donc, en premier, on a Madame Évaluation. Donc là, c'est un peu tout ce dont on parlait tout à l'heure. Tout le volet indicateur, diagnostic, mesurer les évolutions, le rapport RSE aussi qui est important. Madame Innovation. Donc là, sur l'imagination, trouver des solutions sur les produits et services, sur l'offre, mais aussi sur le volet organisation du travail, par exemple, communication. Et puis, Madame Communicante, donc là, à l'interne comme à l'externe, avec les bons mots, avec quels outils, avec quels supports, à quel moment, sur le savoir dialoguer, le faire savoir. Alors ensuite, je vous présente Monsieur Pédagogie. Alors Monsieur Pédagogie, sa mission, c'est de décrypter tous les enjeux RSE de l'entreprise et de les partager en interne, notamment auprès de la direction pour qu'elle puisse prendre les bonnes décisions, mais aussi auprès des collaborateurs pour les mobiliser encore plus autour de ces sujets. Donc vraiment ce rôle de décryptage et de partage au sein de l'entreprise. Et ensuite, on a Monsieur Guide. Donc, Monsieur Guide, lui, il a une vision globale de l'entreprise. Et son rôle, c'est justement d'aider l'entreprise et la direction à prendre les décisions et à mettre le cap sur là où elle doit aller demain. Donc, c'est voilà, Monsieur Guide, sa mission, c'est vraiment d'anticiper, de définir la stratégie, bien sûr, avec les membres de la direction, et de créer de la résilience, de trouver des solutions, etc. Alors, si vous devriez en choisir un, ou deux. On accepte deux ? Ouais. On accepte deux. On peut négocier à trois ? Non, mais... alors, moi, je vais en éliminer facilement deux. Madame Innovation, parce qu'effectivement, ce n'est pas la casquette que je porte. Et il y a des gens qui font très bien. Donc, ça, c'est, en tout cas, dans notre organisation, ce n'est pas moi qui la porte. Monsieur Guide, je ne m'y retrouve pas non plus. Mais je pense que ça commence déjà par une bonne communication. Et ça rejoint les thèmes qu'on a déjà abordés. Il faut savoir écouter, il faut savoir convaincre, il faut savoir emmener. Donc, je pense que la communication, elle est importante, mais elle ne peut jamais se faire sans la pédagogie. C'est-à-dire que. Si on a envie d'aller quelque part, il faut expliquer pourquoi on a envie d'aller quelque part et donner du sens et encore une fois convaincre. Et je repars dans nos travers peut-être qu'on a tous les deux avec Denis. Pour moi, c'est important. Alors, c'est nous ou c'est pas nous, en tout cas aujourd'hui, moi, c'est dans ma bannette, c'est d'évaluer. C'est qu'il faut qu'on mesure où on en est. Il faut qu'on se compare aussi. C'est important par rapport à peut-être à nos confrères, parce que ça veut dire qu'aussi c'est possible et que donc qu'on peut y aller. Et puis nous on a une organisation assez atomique, donc c'est important aussi de s'assurer que ça fonctionne bien toujours. Et partout, on est une boîte où on aime la nouveauté, on a envie d'aller sur des nouvelles choses, mais il ne faut pas non plus oublier certains basiques. Je veux dire, c'est pas ce qui est le plus passionnant tous les jours, de mettre son aérosol dans la bonne poubelle. Mais c'est important. Et donc, il faut continuer à faire vivre ça. Donc, quand on dit à évaluer, c'est être présent et à vérifier que tout fonctionne bien à tous les niveaux. C'est-à-dire que pour tous les engagements qu'on a pris. Donc tu prends Madame Évaluation et Communication. Communication, Pédagogie, Évaluation. Bon, on accepte. On est sympa. Laurent ?
Alors, il y a un piège pour moi, puisque étant responsable innovation et RSE, néanmoins, je vais prendre le contre-pied, en fait, et je prendrai monsieur pédagogie et monsieur guide. Alors, notamment parce que monsieur innovation a quand même une chevelure abondante, et vous avez vu que ce n'est pas tout à fait mon cas. Alors, pourquoi monsieur pédagogie et monsieur guide ? Tout simplement parce que, effectivement, l'innovation, déjà, je pense qu'elle est partout. Et comme la RSE, elle ne doit pas être monopolisée au sein de l'entreprise. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est aussi pour ça que je ne prends pas monsieur innovation de façon un peu plus sérieuse, quand même. La communication, elle est bien maîtrisée. On travaille en transversal avec le service communication avec qui on communique beaucoup et qui nous sont d'une aide très précieuse. Et l'évaluation, culturellement, même si on est soumis à la DPEF, c'est pas tellement dans la culture originale de l'entreprise, et c'est pas quelque chose qu'on met systématiquement en avant, même si on le fait, même si on rend compte au travers de nos obligations réglementaires, mais dans l'ADN de l'entreprise, ce n'est pas ça qui nous importe le plus. Et donc, monsieur pédagogie, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un rôle aussi de plus en plus prospectif qui va avec monsieur guide, de repérer les signaux faibles, ça a été dit tout à l'heure, et de comprendre aussi la complexité qui est dans notre secteur d'activité et dans la société en général, et de comprendre les ruptures qui traversent la société. Et du coup, monsieur pédagogie, une fois qu'on a identifié ces différentes ruptures, c'est comment on les a accompagne dans l'entreprise et comment on leur donne du sens au regard de notre activité, de nos métiers et comment finalement on les transforme en action au sein de l'entreprise. Merci beaucoup. Denis ? Alors, dur choix. Bon, j'aime pas trop la tête de monsieur pédagogie et pourtant moi je me retrouve un petit peu à la frontière entre monsieur guide et monsieur pédagogie. Parce que je pense qu'il faut arriver à tracer un chemin, effectivement. Il y a un nombre incalculable de signaux, de projets, de stimuli qui nous arrivent. Et il faut arriver à tracer son chemin parmi tous ces sujets. Et je pense que donc être monsieur guide est un point important. Sinon, on peut vite se perdre dans un nombre de sujets considérables qu'on n'arrive pas à faire avancer. Et monsieur pédagogie, je pense l'être et je pense que c'est important de l'être parce qu'il faut expliquer. Il faut être inlassable sur l'explication de ce qu'on fait. Et même si on a l'impression de l'avoir fait 10 fois, 20 fois, 100 fois, il faut recommencer. Et là aussi, c'est un petit peu un point commun avec la qualité. Alors, ce que j'aimerais bien être, c'est pas être madame communication, mais c'est être monsieur communication au moins. Parce que je pense que c'est aussi un point très important. Si les sujets RSE qu'on traite restent au sein d'un cercle d'initiés qui travaillent dessus, etc., mais qui n'expliquent pas, qui ne communiquent pas, qui ne parlent pas des progrès qu'ils ont réalisés, on a raté la cible. Donc il faut absolument, et je pense que c'est un enjeu pour nous, de transformer la RSE également avec une dimension communication forte. Très bien, merci beaucoup, merci à tous les trois. On va arriver à la dernière partie de cet atelier. Donc, pour rappel, on a vu l'évolution de la place de la RSE dans la stratégie, on a vu l'évolution des métiers. Qui dit évolution des métiers dit évolution des compétences. Qu'est-ce qu'on met dans la fiche de poste d'un responsable RSE pour justement générer cette cohésion en interne, pour générer cette coopération, pour générer l'engagement. Donc la question qu'on va vous poser maintenant, c'est pour vous, c'est quoi un bon responsable RSE? Et quelles sont les ressources clés? C'est quoi aujourd'hui le prérequis finalement pour être un bon responsable RSE? Alors vous pouvez vous aider des petits bonhommes, parce qu'en fait finalement ça dépend aussi si on a une casquette plutôt évaluation, pédagogie, communication. Mais pour vous, en tout cas, quelles sont les compétences prioritaires? Si on a des jeunes qui nous regardent et qui... parce que là je pense que vous avez créé des vocations ce matin avec l'atelier, parce que vous avez quand même un très beau métier. Pour vous, voilà, qu'est-ce qu'il faut comme compétences et sur quoi il faut travailler en priorité? Laurent ? Ah, je pense qu'il faut, alors en plus des fondamentaux qu'on a vus avec les monsieur et madame, effectivement il y a l'évaluation, il faut rendre compte, il faut collecter, donc ça fait partie intégrante de notre fonction. Il faut communiquer aussi, mais ça on peut aussi s'appuyer sur des ressources en externe comme celles qu'a chez nous. On l'a vu, hein, il faut guider, il faut faire preuve de pédagogie Alors, bien sûr, ça fait partie un peu des fondamentaux de l'activité, mais je pense que de plus en plus, il y a de nouvelles compétences qui apparaissent, notamment la prospective. On est dans un monde très changeant, il y a des ruptures qui sont très importantes et il faut les anticiper. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir une vision de plus en plus prospective.
il faut être en capacité aussi d'avoir une vision sur le court terme, c'est-à-dire de traduire aussi de façon concrète nos actions. Donc il faut avoir une vraie ambition aussi pour la traduction d'actions sur du court terme. Il faut être en capacité de dialoguer avec les parties prenantes, qu'elles soient internes et externes. Ça me semble de plus en plus prégnant dans notre activité. Et je pense aussi qu'il faut avoir cette capacité à penser et à comprendre la complexité. Parce qu'il faut pouvoir la retranscrire et la traduire en termes simples pour nos collaborateurs. On est dans des changements permanents et on ne peut pas tout le temps venir voir nos collaborateurs en leur disant bah voilà, il va y avoir telle et telle évolution. Il faut leur donner du sens, il faut décomplexifier tout ça et ramener ça à du concret au quotidien en fait. Et il faut réancrer les sociétés dans le quotidien finalement, et je pense que ça fait partie un peu des nouvelles compétences qui émergent. Et puis bien évidemment il y a les soft skills. Donc là, ce qu'on a évoqué, c'est des compétences métiers, mais je pense aussi que de plus en plus, ce qui est attendu, c'est les soft skills, en fait, ces compétences douces, qui sont de plus en plus prégnantes et qui demain aussi feront probablement la différence dans les recrutements pour les postes de responsables RSE. Tu peux préciser à quelles compétences tu penses ? Je pense à l'empathie notamment, qui est à la capacité de se mettre à la place de l'autre. Donc ce genre de compétences qui, moi, me semble de plus en plus déterminantes dans ce type de poste. Merci beaucoup, Laurent. Audrey ? Oui, je vais compléter parce que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Sans limite, je pense qu'il faut effectivement, c'était un peu induit dans ton intervention, c'est être ouvert. Je pense qu'il faut être super ouvert sur ce qui se passe. Et donc, en particulier avec les différentes personnes et nos parties prenantes, il faut être curieux. Nos enjeux changent d'année en année et tant mieux, ça veut dire que généralement on avance et qu'on peut laisser certaines choses continuer à vivre sans nous. Je suis d'accord sur le fait qu'on nous demande aussi de comprendre des choses qui sont plus techniques, plus scientifiques parfois, et peut-être particulièrement sur la partie environnement. Donc faut être, on va pas être des, enfin, en tout cas moi je le suis pas, je suis pas une experte, mais faut se faire entourer, mais faut quand même comprendre pour simplifier et expliquer et qu'on puisse se l'approprier et pouvoir après aller semer des graines ailleurs. Je pense que des fois, il faut être patient. Ce n'est pas ma première qualité. Mais il y a des choses qui vont aller plus vite des choses qui vont peut-être aller même plus vite que ce qu'on avait prévu. Puis il y a des choses qui ne vont pas démarrer. Et bon, des fois, il faut laisser poser. On a planté quelques graines. Donc, et on voit que ça pousse après. Donc tant mieux, parce que voilà, tout le monde se fait aussi sa petite histoire. Je pense que les compétences et les qualités, elles s'approchent aussi à des métiers, alors des responsables qualité, des chefs de projet, parce qu'il faut à la fois avoir une vision, et c'est là où il faut être agile peut-être, c'est avoir une vision long terme, savoir déjà où on veut aller. Quand on parle d'environnement, on travaille sur du 2035 chez nous, voilà. Donc c'est loin, mais du coup il faut aussi savoir travailler sur le demain, donc toujours travailler sur les deux aspects, et donc savoir conduire le changement. Et vraiment, je pense que les métiers autour de l'organisation, de la qualité, permettent aussi d'être peut-être un bon passage derrière. Voilà. Après, peut-être, en tout cas, moi j'ai cette conviction-là, on peut être militant à titre personnel, pour avoir des convictions. Je pense qu'il faut un peu édulcorer quand on est dans le cadre de l'entreprise. Moi je ne m'attends pas à ceux qui vont rejoindre notre équipe, que ce soit les plus militants, qu'ils aient des avis, qu'ils aient des valeurs, c'est super important. Maintenant, ils peuvent être à titre perso, tant mieux. Après, il faut savoir aussi intégrer nos positions dans le cadre de l'entreprise. Donc il faut peut-être rester un petit peu vigilant sur cette partie-là, mais voilà. Merci. Ça va être dur de compléter. Hein. Non, je ne peux que reformuler ce qui a été dit. Je partage complètement la curiosité, parce qu'il faut savoir jongler avec des sujets. Voilà, parler, j'en sais rien moi, d'index égalité homme-femme un jour, et puis le lendemain de parler de kilowattheure et de mètres cubes d'eau qui vont être jetés aux égouts. Donc ça, il faut faire preuve de curiosité, il faut écouter, il faut savoir reformuler, il faut s'approprier les sujets. J'ai envie de dire, si je voulais résumer, il faut loucher en fait. Il faudrait avoir un œil qui regarde un peu au loin, parce qu'il ne faut pas perdre le cap.
mais il faut aussi regarder ce qui se passe au quotidien. Parce que si on veut faire avancer le sujet lointain, là, le 2025 le 2000, ou le 2035, moi j'en suis pas encore là, mais déjà 2026 ça me semble tellement loin. 2035 on se dira on sera à la retraite. donc je pense qu'il faut, avoir un œil qui regarde en permanence sur ce sujet lointain, mais il y a des multitudes de petites décisions, de petits sujets qu'il faut arriver à traiter au quotidien. Et il faut apporter des réponses, ou, tout au moins il faut aider les gens qui travaillent sur les sujets à trouver les bonnes réponses par rapport à ces petites problématiques du quotidien. Donc je pense que c'est un peu, c'est un peu comme ça que j'aimerais résumer la compétence principale. Pas grand chose d'autre à ajouter. C'est très bien, merci. On va arriver à la fin de l'atelier. On a préparé tous ensemble l'atelier il y a 2 ou 3 semaines. On avait fait une visio ensemble et l'un d'entre vous a dit quelque chose et on s'est regardé avec Camille, on s'est dit c'est ça en fait qu'on va faire passer comme message pour cette matinée. Du coup, la personne qui a dit ça va certainement reconnaître ça. Faire pour, faire avec, faire. Alors c'est Laurent, c'est toi Laurent qui avait dit, qui avait expliqué en fait ta vision des choses avec cette petite phrase. Donc on aimerait bien que tu puisses nous la repartager ce matin. Oui, alors c'est quelque chose, je pense, qui traduit un petit peu l'évolution de notre entreprise, tout simplement. Nous, en tant que bailleurs, pendant des années, on a fait pour les habitants. Alors d'ailleurs, on n'utilisait pas ce vocable-là, on parlait de locataires. Parfois même certains d'usagers. Moi, quand je suis arrivé il y a une dizaine d'années, c'était encore du vocable qui avait cours dans l'entreprise. Désormais, on parle d'habitants, mais on faisait pour eux. C'est-à-dire qu'on leur proposait un logement, etc. Puis, petit à petit, on a commencé à s'orienter vers de nouvelles méthodes, et donc on a commencé à faire avec. Et là, ça a été le démarrage de la participation, de la collaboration, d'une meilleure prise en compte, finalement, de nos parties prenantes dans nos démarches, où on a commencé à se dire qu'on ne pouvait plus travailler ex nihilo et qu'on ne pouvait pas travailler de façon descendante, qui était le modèle du faire pour. Et donc, on est arrivé petit à petit sur ce modèle du faire avec. Et puis, je pense que la prochaine étape, ce qu'on essaye de construire là actuellement, c'est le faire-faire. Il faut qu'on rende acteurs nos parties prenantes, que ce soit nos collaborateurs, en les faisant participer au projet stratégique, ou que ce soit nos parties externes, les collectivités, mais aussi les habitants. Il faut leur permettre, et c'est ce qu'on fait notamment dans le cadre de notre démarche d'aide à l'emploi sur nos habitants. L'idée, c'est de leur apporter une aide pour se reconstruire, pour éventuellement lever les freins à la recherche à l'emploi. Mais après, c'est bien de les mettre dans une dynamique pour qu'ils retrouvent un emploi. Et ça, il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Ils doivent être acteurs. Quand on crée des tiers-lieux dans nos cités, c'est aussi pour les rendre acteurs de leur vie, de leur quartier. Et c'est vraiment ce qui nous anime, et c'est vraiment ça qui révèle notre façon de faire et qui révèle notre ambition de devenir un acteur de cohésion sociale. Je pense que c'est vraiment cette étape du faire-faire. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez réagir à cette phrase? Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Est-ce que ça vous parle quand vous pensez à votre métier, à la façon dont la RSE est pilotée dans votre entreprise? Non, mais c'est vraiment ça, et ça marche, je pense, dans toutes les entreprises et avec peut-être beaucoup de nos parties prenantes. Effectivement, si je prends par exemple les achats chez nous, on les a sensibilisés et on les a accompagnés dans le premier pas sur les achats responsables. Et aujourd'hui, effectivement, c'est eux qui font, parce que c'est eux qui me proposent des choses qui vont bien au-delà de ce qu'on avait imaginé. Donc voilà, c'est donner envie et permettre de faire ce premier pas. Et effectivement, on tient la main un peu pour certains sujets. Et après, ça vit sans nous et tant mieux. Et ça va généralement, du coup, bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Denis ? Oui, effectivement, on peut s'approprier, peut-être pas tout à fait de la même façon que Laurent, mais on peut s'approprier la formule. On a fait, alors peut-être que la première étape, faire pour, c'est peut-être un petit peu le petit bout de la lorgnette. On a fait pour répondre à des problématiques réglementaires, on a fait pour répondre à des concurrents qui faisaient un peu de surenchère, on a fait pour faire plaisir à telle ou telle personne. Puis on a fait avec, on est en train de faire avec.
donc des gens qui viennent, qu'on a embarqués avec nous, hein, des partenaires, des franchisés, des ONG. Et puis faire, oui, c'est vraiment le... on parlait de rêve tout à l'heure, voilà, moi c'est un peu le rêve, c'est que chacun soit responsable RSE dans l'entreprise et que donc chacun puisse contribuer au quotidien à, je dirais, à l'avancée de cette responsabilité de l'entreprise. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions sur le chat ? Non ? Bah, moi j'en ai, c'est pas grave. On va arriver à la fin de l'atelier. On avait un dernier bloc qu'on voulait voir avec vous. Finalement, cette évolution du métier du responsable RSE et le fait que les tâches sont différentes, votre mission est différente dans l'entreprise, elle bouge, en vous prenant en charge plus d'enjeux. Quels sont pour vous les principaux bénéfices pour l'entreprise de cette évolution ? Elle s'inscrit bien en faisant ça. Je pense que si elle a bien compris ses enjeux, elle s'inscrit bien dans l'actualité, dans son écosystème. Je pense que ça, c'est la priorité. Elle répond bien aux attentes de ses clients, parce que pour nous, en tout cas, c'est ça. Et du coup, elle sait comment communiquer, entre autres, avec ses actionnaires pour aller dans le bon sens. Donc, je pense que c'est avoir mettre l'énergie tous dans la même direction avec nos équipes, avec notre direction, nos clients et potentiellement nos actionnaires, nos fournisseurs. Enfin, c'est vraiment accélérer tout ce qu'on pouvait faire avant. Là, vraiment être dans la même synergie. Aligner les planètes. Exactement. C'est avancer ensemble dans la même direction. On gagne beaucoup d'énergie et on gagne aussi potentiellement après, parce qu'il ne faut jamais perdre ce point de vue-là aussi, on gagne aussi de l'argent. Donc, c'est bien. C'est bien d'être aligné et de bien connaître effectivement les attentes. Donc je pense que le premier levier, il est là, le principal levier. Laurent ? Oui, bah je rejoins complètement. C'est d'emmener, c'est de fédérer. C'est aussi finalement le bénéfice, c'est d'arriver de plus en plus vers des logiques de performance globale, qu'elles soient sociales, environnementales ou économiques. Et je pense que ça nous permettra aussi de franchir l'étape d'après, qui est le modèle économique, qui est probablement la partie la plus compliquée à faire bouger, parce que le référentiel, il est compliqué à faire changer. Et je pense que plus on sera RSE, et plus on arrivera et on sera en capacité d'aller vers d'autres modèles. Et notamment, nous, on croit beaucoup à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. D'ailleurs, on participe à un projet pour sortir un programme de logement sous l'angle de l'EFC, c'est-à-dire où le logement n'est plus la finalité, mais un maillon de la chaîne parmi d'autres. Et je pense que c'est aussi ça qui va être déterminant et ça va être le principal bénéfice ou l'un des principaux. Ça va être finalement de faire bouger les lignes et d'emmener notre entreprise vers un nouveau type de modèle, vers des résidences beaucoup plus globales où finalement le bâtiment ne sera plus qu'un prétexte quelque part, un prétexte pour faire de la cohésion sociale, du bien vivre ensemble, pour faire éventuellement de l'emploi, pour travailler la mobilité, pour travailler l'agriculture urbaine. Donc c'est finalement autant ou un champ d'interpellation qui va aller de plus en plus vers d'autres activités, qui va s'élargir et qui va apporter une vraie plus-value au quotidien. Merci. Je crois que l'apport de la RSE pour l'entreprise, c'est la création de confiance. Et si je reprends ce qui me concerne, moi, les trois parties prenantes sur lesquelles je suis très attentif, les clients, les collaborateurs et les partenaires qui investissent dans la marque, bah, pour ces trois types de parties prenantes et de partenaires au sens large, la RSE va créer de la confiance. Pour le client, bah, voilà, la marque est capable de se remettre en cause, est capable d'apporter des solutions et des réponses à ses préoccupations de santé, d'éthique, d'environnement, etc. Pour le collaborateur, la RSE apporte aussi un climat qui va lui permettre de s'épanouir mieux, qui va lui permettre de se dire bah, « je m'inscris dans une entreprise qui prend en compte sa responsabilité vis-à-vis de la société » et donc créer un climat de confiance avec son entreprise. Et puis pour l'investisseur qui met beaucoup d'argent sur la table pour ouvrir un magasin, développer la marque dans un pays, bah c'est rassurant et c'est même essentiel et indispensable de se dire bah, j'investis dans une marque qui va se projeter sur du long terme et pas être éphémère et risquer de disparaître rapidement. Donc je pense que pour moi c'est vraiment le terme que je retiens. Merci beaucoup. Pour compléter, on a plusieurs questions du public qui tournent autour de cet enjeu
finalement, est-ce que vous avez des exemples de bonnes pratiques RSE qui ont permis d'améliorer la performance économique de l'entreprise? Donc le lien entre voilà, RSE et performance économique. Quelle est votre vision des choses? Est-ce que vous avez des exemples? Alors moi je peux citer l'accompagnement socio-professionnel individualisé et actif. En gros, SIA Habitat fait le constat qu'on a une paupérisation croissante de nos habitants et donc on est confronté aussi à des situations d'impayés. Et du coup on a décidé en 2014 d'accompagner ces publics en difficulté, en fragilité sociale vers le retour à l'emploi. Et concrètement, en fait, ça se traduit par un coaching. On les accompagne, on essaye d'identifier avec eux les freins pour la dynamique à l'emploi. Alors, on ne le fait pas tout seul, hein. Ce n'est pas notre métier de base. On se fait accompagner par la Sauvegarde du Nord sur ce projet. Et donc, ils nous accompagnent. Et ensuite, ils permettent aux gens de reprendre soit une formation ou éventuellement de retrouver un emploi avec notamment le réseau d'entreprises avec lequel ils sont en connexion. Pardon. Et ça, on mesure les effets, en fait. C'est des externalités positives. C'est concrètement beaucoup moins d'incivilité dans les quartiers. Ça rejaillit clairement sur le bien vivre ensemble. Mais c'est aussi reprise des paiements de loyer. Et alors, pas parfois en totalité, mais au moins partiellement. Et globalement, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour les habitants, mais c'est aussi gagnant pour le bailleur qui voit finalement une rentrée d'argent, même si elle est partielle, plutôt qu'une perte totale de loyer. Donc c'est aussi un double effet. Et ça, pour le coup, c'est très concret. Merci. Audrey ? Alors, déjà dans un premier temps, comme on évalue assez régulièrement, on sait qu'il y a un filtre qui se fait sur la partie RSE et sur l'évaluation extra-financière. Donc, déjà, ça nous permet de passer ce filtre. Alors ça, c'est un exercice à pas à distance. Donc, il vaut ce qu'il vaut, mais effectivement, on sent que nos clients regardent, sont rassurés et peuvent passer à autre chose, et nous permettre, ce qui nous permet vraiment de choisir nos enjeux, mais de répondre vraiment à nos enjeux. Donc ça déjà, ça nous permet de rassurer nos clients sur ça. Donc ça, c'est déjà vraiment une première étape qui est importante. Après, je dirais que la deuxième avancée, elle se joue sur justement l'appropriation par notre équipe commerciale, sur justement notre politique RSE. Et là, très dernièrement, en particulier sur la partie environnement. C'est-à-dire que pour les plus gros clients, donc on ne fait pas l'exercice avec tous, mais maintenant on a une sorte de double comptabilité, c'est-à-dire que quand on les voit, soit pour le rendez-vous annuel, soit pour le rendez-vous trimestriel, on parle en deux monnaies, l'euro et le carbone. Et donc le but, c'est quoi ? C'est, voilà, commercialement c'est normal, hein, il y a des acheteurs, on a des commerciaux, donc ils vont parler euro, mais ils vont aussi derrière travailler, en tout cas pouvoir communiquer, et nous on va prendre le relais si le client le souhaite, sur ça a été quoi votre impact carbone au travers de vos locations. Et nous on peut vous proposer des choses qui vont vous permettre de le réduire, sous certaines conditions, et ce qui va leur permettre aussi, eux, de rentrer dans leur stratégie carbone. Donc cette double comptabilité, alors elle est toute jeune chez nous, enfin elle est toute récente, mais ça montre vraiment comment on peut lier du coût économique et RSE ou environnement là pour le coup. Merci. Je vais prendre un exemple tout simple. Dans le domaine de l'alimentaire, on a un enjeu majeur qui fait partie d'un des 4 enjeux qu'on a identifiés, qui est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et on a, dans ce cadre-là, mis en place un partenariat avec l'application Too Good To Go. La première année, on avait quelques magasins qui ont commercialisé. La deuxième année, qui était 2019, on a sauvé, 2018, pardon, on a sauvé 150 000 paniers repas, c'est-à-dire 150 000 assortiments de produits qui étaient voués à la poubelle et qui ont été achetés, alors pour une somme modique certes, mais qui ont été achetés par un client, et donc qui ont à la fois évité de gonfler les poubelles, et en plus généré un petit chiffre d'affaires. Et l'année dernière, on a sauvé 400 000 paniers repas en France grâce à l'application Too Good To Go. Donc voilà, là c'est du gagnant-gagnant. Merci, merci beaucoup. Une dernière petite question avant de conclure, c'est pour toi Laurent. C'est Alice qui nous demande si vous avez développé des projets concrets suite au trophée de la RSE. Les trophées de la RSE SIA,
Ça pose beaucoup de questions ce matin. Alors, mais c'était des projets concrets, en fait. Ce qu'on a récompensé, ce n'était pas des idées, hein, c'était vraiment des projets, et notamment des projets qui émanaient de gardiens. Il y avait notamment des gardiens qui avaient lancé de la collecte de lunettes pour les envoyer dans les pays en voie de développement. Donc là, par exemple, sur les idées de ce gardien, vous avez mis en place la collecte derrière suite... C'est ça, en fait. Oui, mais c'était déjà en place. C'était déjà en Donc, place, finalement, d'accord. On est venu récompenser ce qui était déjà mis en place. Et vous avez incité à mettre en place ces projets initialement, ou c'était des projets qui ont émané de, non, naturellement ça émanait vraiment des collaborateurs, en fait, et quelque part ça passait un peu sous les radars de l'entreprise, c'est-à-dire que c'était des projets qui n'étaient pas forcément très connus, qui n'étaient pas forcément sur lesquels on communiquait pas forcément, et mais qui correspondaient aussi à une volonté individuelle, à une envie. Et pour lequel on avait donné localement l'autorisation de le faire. Et je pense que c'était important de valoriser ces démarches-là pour montrer au reste de l'entreprise qu'il y a des bonnes pratiques partout dans l'entreprise et que ces bonnes pratiques, elles doivent émerger au sein de l'entreprise. Et donc, c'était bien des projets concrets qui ont été portés à notre connaissance et qu'on a, entre guillemets, mis en lumière lors de la cérémonie des vœux pour montrer que les bonnes pratiques, elles sont partout dans l'entreprise et qu'elles ne sont pas juste le fruit de quelques collaborateurs. Et ça répond bien à votre message de oser auprès de vos collaborateurs. C'est ça, en fait. Et ça met en lumière concrètement le message de la direction générale, il faut oser. Super, merci beaucoup. Un grand merci à tous les trois pour vos témoignages. Je pense qu'en guise de conclusion, on peut dire que vous avez un métier vraiment très beau. Bravo pour tout ce que vous faites pour vos entreprises. Et puis bon courage pour tous les défis qui vous attendent. Parce que si on a bien compris une chose, c'est qu'ils sont aussi infinis. Donc c'est ce qui fait aussi la beauté du métier. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin pour ce parcours responsable RSE. N'hésitez pas à nous contacter via la Marketplace et la plateforme du World Forum. Et on vous souhaite un bon forum. Merci.